Oui, compris. C'est en règle, mon lieutenant. C'est en règle, mon lieutenant. Avancez. C'est en règle, mon lieutenant. Salut, mon lieutenant. Venez par ici. Allez, venez, on vous attend. Allez, allez, par ici. Venez de ce côté-ci. Mais qu'est-ce que vous attendez, voyons? Elle lui en fait peur, elle s'est sauvée. Hé, bande de cloches! Вас под арест, братья мои. Да, товарищ капитан. Vous êtes tout à fait sûr que c'est bien là? Oui, mon lieutenant. Hein? Vous allez m'attendre ici, je vais m'en assurer. Et surveillez mon vélo. Est-ce que quelqu'un sait où est le commandant Burnside, s'il vous plaît? Мутикабри, скажите мне, русские части сейчас? Они в Варшаве, да? Моя жена Росалья. Да, скажите мне, вы должны что-то знать. Что вы не понимаете? По-польски, не по-румынски, не по-чешски. Вы же не дико? Что вы заверекаме? Вот лейтенантчик, ни слова не понимает, ни по-польски, ни по-румынски, ни по-чешски. Хенбеген! Pardonnez-nous, mon lieutenant, ne soyez pas fâché. Кажи, Коль! Oh, подожди! Не беспокойтесь, nous sommes tous tellement heureux de vous voir ici. Excusez notre émotion. Le commandant a installé son bureau dans cette maison. Merci. Вот лейтенантчик, довольно! Подожди! Довольно! Довольно! Combien de langues savez-vous? Le latin et le grec. Le grec ancien? Oui, mon commandant. Très utile. C'est ce qu'on nous répétait au collège, car le grec est à la base de l'alphabet russe, et évidemment, le latin est la racine de toutes les langues latines. C'est pas possible. Où dois-je les mettre, mon commandant? Là-dessus. Alors, vous comprenez les langues méditerranéennes? Oui, je sais bien le français. Il se trouve que la France est actuellement notre allié, bien que le général de Gaulle n'en semble pas certain. Je sais un peu d'espagnol aussi. L'Espagne est un pays neutre. Et l'allemand, l'italien? Si je voyais un prêtre, je crois que je pourrais lui parler latin. Je ne l'oublierai pas. Un bon conseil, lieutenant. Rappelez-moi votre nom. Pilkington. Si vous êtes linguiste, tenez votre langue. Je me demande comment on a pu vous affecter au gouvernement militaire. Le général Bulley a dit que c'était pour mon bien. Oh, le général a dit ça. Et pour mon bien aussi, je suppose. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a actuellement plus de 4 millions de personnes déplacées en Europe? Ici, nous avons des Italiens venant du fond russe, des femmes ukrainiennes prises pour le travail obligatoire par les nazis, des Polonais provenant des mines de sel de Bavière et Dieu sait quoi encore. Avez-vous été au feu? Non, jamais, mon commandant. Bien entendu. Vraiment jamais. Eh bien, ça pourrait venir. Ce n'est pas parce qu'on a vaincu les nazis que la guerre est finie pour autant. Nous partageons provisoirement l'Autriche avec les Russes, mais ça peut changer. Vous ne pensez pas, mon commandant, que... On n'est pas payé pour penser.
En ce moment, la ligne officielle est que nous sommes pour l'oncle Joe Staline de fermes amis. C'est-à-dire que nous sommes fermes, bien qu'amis. Oui, mais j'avais cru que notre but était de... Mon but, c'est de filer d'ici aussi vite que je pourrais. Et de reprendre un commandement normal dans mon régiment. Non, je vais vous faire remplacer. Nous devons faire cesser la pagaille, pas l'augmenter. Il nous faut interroger cette cohue dans toutes les langues de la Terre. Classer leurs papiers et les envoyer pour être triés soit par les Américains à Linz, soit par les Russes à Freistadt. Mais au quartier général, on m'a chargé de vous dire qu'il ne restait plus un seul homme de disponible. Sergent Woody. Présent. Accompagnez le lieutenant Pitkinton qui va surveiller l'établissement des latrines. Puis-je faire une suggestion? Vous en avez fait suffisamment. Allez. Mais il y avait cet homme bizarre. Quel homme bizarre? Eh bien, quand je suis arrivé, j'ai vu un personnage. Je crois qu'il sait parler toutes sortes de langues. Vous savez son nom? Non. Sergent Woody, rassemblez-les. Nous allons les inspecter. Oui. Debout, tas de feignants, rassemblement! Au terrain d'exercice! Allez, remuez-vous un peu! Rassemblement sur le terrain d'exercice! Debout! Pressons! Alors quoi, ça roupille là-dedans? Brouillez-vous! Est-ce qu'il faut que j'aille vous chercher? Qu'est-ce que vous attendez? Allons-nous, vite! Amenez-vous! Et vous là-bas, vous n'avez pas compris, non? Avancez! Venez! Debout! Dépêchons-nous! Debout, allons! Allons, pressons! Avancez, vite! Allez vous aligner avec les autres! Avancez! Allons, mettez-vous avec les autres! Mais non, allez, je vais pas vous violer, avancez! Alfie, tu devrais t'occuper d'elle, elle a pas l'air rassurée avec moi! Allez, grand-père, n'ayez pas peur! Allons, plus vite que ça, pressons! Allons! Ça roupille là-bas! Activons! Voyez-vous là! Vous êtes prêts? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Bonne diplomatique! Silence! Sortez de là! Je veux voir personne en arrière! Sortez! Hé, va chercher ceux qui sont là-bas! Vous avez compris ce qu'on vous a dit? Allons venez par ici, activons un pont! Bon sang, mettez-vous en ligne! Rassemblez-vous en ordre et tâchez de vous mettre à l'alignement! Allez, et restez tranquille! Allons là-bas, allons! Mettez-vous sur front, c'est compris? Formation prête pour l'inspection, mon commandant? Formation, vous appelez ça une formation? Les réfugiés sont tous présents et prêts à être inspectés, mon commandant. Mettez-les au garde à vous. Vu! Formation! Garde! Ah bon ? Oh non, vous en allez pas ! Non, sergent Woody, ça suffit, il n'y a pas d'espoir. Je veux seulement identifier un homme qui pourra nous aider. Il y a parmi vous un homme qui parle plusieurs langues. J'ai un travail à lui offrir, un travail intéressant. J'ai besoin de trouver un interprète, un bon interprète. Лагерный переводчик. Il pourra toucher les cigarettes du rhum de l'armée. Водка, сливовицу. Si je ne peux pas le trouver, il vous faudra deux fois plus de temps avant de rentrer chez vous. Повесь по польски. Толмач, он хочет толмача. Монт-маджар. C'est celui-là. Майор говорит, если я не буду переводчиком, вы домой не попадете. Так переводчиком должен быть я. Тогда вы вернетесь домой. Comment vous appelez-vous? Yanovitch, mon commandant. Qu'est-ce que vous connaissez comme langue? Le russe, le polonais, le grec, le hongrois, l'allemand, le roumain, le bulgare, le serbo-croate, le romani, l'italien, l'anglais, un peu l'arabe, un peu yiddish, des notions de chinois. Le chinois? Oui, au cas. Comment avez-vous appris toutes ces langues? J'ai beaucoup voyagé, mon commandant. Vous allez leur expliquer le règlement du camp. Ils sont tous des hommes libres, tant qu'ils sont ici. S'ils restent, ils seront nourris et rapidement rapatriés. Mais s'ils veulent partir, ils seront probablement affamés. Et peut-être tués. Nos patrouilles pourchassent encore les nazis dans le secteur. Je leur dirai, mon commandant. Avant tout, dites-leur de se présenter là-bas pour toucher leur ration. Oui, mon commandant. Друзья! Хотите покушать? Так еда там! Sans vos papiers? Je n'ai pas de papiers, mon commandant. C'est bien dommage pour vous. Ben, je n'y peux rien. Ici, c'est un centre de triage, pas une maison de repos.
J'ai pour tâche de décider rapidement et sans appel si un homme ira chez les Américains ou chez les Russes. Et d'après quoi? C'est une question de papier. Si vous en avez, c'est extrêmement simple. On vous renvoie chez vous. Si vous n'en avez pas, vous aviez peut-être une raison de vous en débarrasser. C'est que je les ai perdus. C'est un accident, un cheval qui me les a mangés. Un mauvais menteur. D'où avez-vous dit que vous veniez? Ben voilà, mon commandant, je suis né dans une charrette entre Tiflis et Tashkent. Mon père, il a fait beaucoup de métiers dans beaucoup de pays. Vous pouvez me croire. Nous avons appris à être prudents, parce que chaque fois que je m'arrête pour me reposer, c'est sur des roues. Vous parlez anglais et chinois? Vous n'êtes jamais allé dans le pays? Elles sont venues à moi, mon commandant, une femme anglaise et une femme chinoise en Lituanie. Quand on connaît une nouvelle femme, on sait une nouvelle langue. C'est mieux que l'école Berlitz. Une femme anglaise avec vous? Oh, je parle très très bien anglais. Il y a eu 7 anglaises, mon commandant. Yanovitch, tout compte fait, peu importe les mensonges que vous racontez sur votre passé, pourvu que vous soyez utile dans l'avenir. Allez trouver le sergent Woody. Il vous donnera un uniforme, sans insigne. Vous ne faites pas partie de l'armée britannique. On dit un peu partout, si tu viens en aide à un Anglais, il te viendra en aide. Nous avons aussi un proverbe. Commence par t'aider toi-même. Mais à moi tout seul, je n'arriverai jamais à avoir des papiers. Vous êtes un vagabond invétéré. Où voudriez-vous vagabonder? À l'ouest. Nous avons un autre adage. Engagez-vous dans l'armée, vous verrez du pays. Vous ne le croyez pas? Je crois seulement ce que vous dites. Aussi, je peux vous aider beaucoup. Je vais vous arranger ça de manière qu'avant que l'été soit passé, le camp sera vide. Il y a un proverbe qui est très joli à Etosca. Avant que commence la chute des feuilles, le grain doit se mettre à l'abri dans la grange, et les hommes aussi. Les hommes vont se mettre immédiatement à l'abri dans cette grange. Les femmes seront cantonnées dans la maison. La fraternisation est formellement prohibée. Oui, je vais leur expliquer. Les hommes dans la grange, les femmes et les enfants, ici. Pas de contact officiel. Et vous croyez que vous pourrez m'aider à mettre fin à cette pagaille avant le prochain hiver? Après la belle saison. Il ne suffira pas de tour d'adresse. Allez voir le sergent Woody. Il est fendu. Ah, il faut en chercher un autre. Ah, c'est de notre côté. David, Willy, mettez ça là-bas. Albert. Allez-y, à gauche, un peu plus loin, un peu plus loin. À gauche, c'est ça. Encore un peu, là, c'est bon. Tu permets, le chalet, l'auberge, là, c'est de notre côté. Alpenhaus, Nasha. Alors quoi, tu te prends pour la grande Catherine Debinovski? Tire-toi. Arbitrage. Willy, appelle le commandant à radio. Sacré Popov, va. David? Merci. Prends-en une bouffée, va. Ils ont pas de quoi fumer chez eux. On trouve pas de tabac en Russie. Ils ont que de la neige et de la vodka. D'où est-ce que ça vient, ces clopes-là? C'est des américaines en boîte métallique. L'œuf.
Nous ne bougerons pas. Cette maison est en zone britannique, un point c'est tout. Yanovitch, venez un peu ici et traduisez ce que j'ai dit. Майор говорит, что здание это в британской зоне, и они не уйдут. Скажи ему, что это советская зона, и чтобы убирались к черту. Il dit que ça fait partie de la zone russe, et un point c'est tout. Eh bien, dites-lui que les Russes sont bien connus pour s'approprier ce qu'ils veulent sans payer, mais pour une fois, ils devront changer de méthode. Майор предлагает начать переговоры. Никаких переговоров с империалистами. Il dit, on pourrait essayer de négocier. Votre interprète me paraît parfaitement ignorant. Ou trop malin. Il n'a pas traduit, il a adouci. Pourquoi n'avez-vous pas dit plus tôt que vous compreniez? Vous ne l'avez pas demandé. Non, ça va bien, Yanovitch. Il n'est pas question de négocier, capitaine. Je prends cette maison. Ah oui. Ça, c'est digne d'une puissance impérialiste. On ne demande pas, on prend. Nous avons une brigade blindée à 20 km. Nous avons une division d'infanterie à Freistadt. Est-ce que ça vaut le coup pour une ruine? Je vous le demande. Non, soyez raisonnable, nous sommes alliés. Pour le moment, et seulement contre les Allemands, nous ne céderons pas un pouce de la zone qui nous appartient. Nous non plus. Alors, notre division avancera. Nos chars aussi. Si vous aviez fait entrer vos chars en Autriche il y a 2 ans, plusieurs millions de soviétiques ne seraient pas dans la tombe. Nous avions assez à faire à lutter sur 3 fronts et à préparer le débarquement en France. Vous n'avez pas vaincu Hitler à vous seul. Je pourrais vous laisser cette maison. C'est... Sans valeur. Sans valeur, ça ne vaut rien. Mais j'ai ordre de conserver chaque mètre de terrain. Et j'ai ordre de conserver chaque millimètre et personne ne me contraindra à reculer. C'est ce qu'on verra. Pouf. Des alliés. К бою готов. Сейчас. Штык прикнуть. Sergent. Baïonnette. Oh. Dashi. На руку. Frontière est là. Voilà. Stick à ton clutch. Remettez. Source, Yanovitch. Bah, une moitié vaut mieux qu'un trou dans la tête. Sie werden mir mein Haus nichts wegnehmen. Elle dit qu'il ne faut pas lui enlever sa maison. Tout le monde me donne des ordres aujourd'hui. Dites-lui que c'est la guerre et que j'ai le droit de réquisitionner ce que je veux et quand je veux. Das ist Krieg. Oui, mais la guerre est finie. Du moins, je le croyais. Tout le monde sait se défendre tout seul ici. J'aurais pu me passer de vous, Yanovitch. Si j'en ai besoin, je prendrai le chalet. Mais il est à moi. Je ne l'éteins pas. Je ferai ce que je voudrais. C'était beau, la colère du commandant. Évidemment, c'était du bluff. Nous sommes trop petits pour prendre des décisions. Elles ont toutes été prises à Yalta. Oui, mais nous ne sommes pas trop petits pour créer des incidents. C'était une bonne solution, avouez-le. Excepté pour ceux qui ont cette propriété privée. En tant que capitaliste, vous devez être sensible à cela. En Autriche? Le commandant pense que tous les Autrichiens sont des nazis clandestins. Si on raisonne comme ça, c'est plus facile. Je voudrais savoir votre interprète. Qui est-ce?
Nous n'en savons absolument rien. Il nous est tombé du ciel, vous savez, comme la manne céleste. Comme un homme d'Odessa, à en juger par son accent. Lieutenant Pilkington. Oh, pardon, au revoir. Maintenant c'est fini pour vous. Vous allez avoir la belle vie. Dommage qu'on n'ait pas perdu la guerre. Ce serait vous qui nous renverriez gentiment chez nous. Tout le monde en voiture, rouillez-vous. Allez, montez, on attend vous. Pourquoi font-ils tout ce tapage? Il y en a qui sont contents de rentrer chez eux, mon commandant, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller avec les Russes à Freistadt. Ils disent qu'il y a erreur et qu'ils devraient être envoyés au centre de triage américain à Linz. Je ne commets jamais d'erreur. Les ordres sont parfaitement clairs. Au moindre doute, les personnes déplacées sont renvoyées dans leur pays d'origine. Justement, ils ont des doutes, mon commandant. Pas moi. Silence! Silence! Эй, Янович, ступай с нами. Там водка, девчата. Иди с нами. Молчи, дурак. Eh bien, allez-y, Янович, traduisez. Eh bien, il dit que je devrais aussi aller en Russie. Tout le monde est embarqué? Tout le monde présent. Freistadt 24, Linz 7. Bon, mettez une garde armée sur celui-ci. Deux hommes, baïonnettes au canon. Les Russes veulent récupérer tout leur monde. N'en laissez pas échapper. Bien. Vous avez entendu? Pouvez-vous grimper et ouvrez l'œil. Les sardines s'agitent, servez-vous de votre ouvre-boîte. Vas-y, vieux. Dira au cuistot de te mettre une bonne soupe au chaud. Soldat Turner! Ouvre la barrière et que ça saute! J'ai l'impression que je n'aurais pas l'air aussi triste que tous ces gens si on m'envoyait chez moi. Supposez que vous soyez un collaborateur ou un ennemi de classe. Supposez que 10 ans de travail obligatoire dans une mine de sel vous attendent là-bas. Feriez-vous la queue pour prendre votre billet de retour? Non, mon commandant. Est-il obligatoire de les renvoyer malgré eux? Les ordres viennent d'en haut, je n'y suis pour rien. Je croyais que nous avions fait la guerre pour défendre les droits de l'homme et permettre à chacun de faire ce qu'il veut. Les raisons pour lesquelles nous avons fait la guerre ne s'appliquent pas nécessairement à la paix. Il est tout de même curieux que les gens ne soient pas libres. Je préférerais, évidemment, les laisser libres de choisir. Mais j'en ai pas le droit et j'en ai pas le temps. Il y en a un trop pour Linz. Seulement un. On a de la chance aujourd'hui. Ja mam żonę, Austriaczkę, przysięgam. W Linzu mi uwierzą. Le Polonais dit qu'il a une femme en Autriche. Ils le croiront sûrement à Linz. Pourquoi le croirait-il? Moi, je ne le crois pas. Où sont les papiers qu'il prouve? Masz papiery? Ja nie mam papierów. Moja żona ma. C'est sa femme qui a les papiers. Myśmy się zgubili podczas bombardowania. Ils ont été séparés dans le bombardement. Ale mnie szuka. Pozwólcie mnie tu czekać. Il demande d'attendre ici jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Il a raison, il devrait attendre. Je l'aurais peut-être laissé attendre. S'il n'avait pas essayé de prendre le camion de Linz. Mettez-le aux arrêts de rigueur. Prochain camion pour Freistadt. Emmenez-le. Allez, hop, hop, en avant. Allez. Il en arrive de plus en plus. Il faudra les expédier plus vite, c'est tout. Bon, laissez passer. J'espère que tu reviendras. Si je reviens pas, viens me chercher. Je vais toujours courir. Tu te rends compte, il y en a que ça leur plaît de retourner là-bas.
pourrait peut-être envoyer le Polonais à Linz. Et là-bas, il s'expliquera. Et il est possible qu'il lui permette de rester. Je n'ai pas besoin des Américains pour trancher mes problèmes. Je sais qu'ils ont Dieu et le général Eisenhower de leur côté. Mais c'est pas une raison pour que toutes leurs décisions soient paroles d'évangile. Mais imaginez qu'il ait réellement sa femme en Autriche. Alors les Russes ne manqueront pas de nous le renvoyer. Vous savez bien que non. Ils ne renvoient jamais personne. Bon, vous exagérez. En tout cas, les accords ont été faits à Yalta par M. Roosevelt, M. Churchill et le maréchal Staline. Les ordres sont faits pour être exécutés. Et je vous certifie que si mon meilleur ami devait être envoyé à Freistadt, je l'y enverrai moi-même. Janovic. Maria. Un peu de tenue, tas de pouilleux. Le commandant aime qu'on se présente correctement. Quand on veut rouspéter, il faut de la vivacité. Allez, l'affaire suivante, entrez. Dépêchez-vous. Kommen Sie näher, Fräulein. Vorüber wollen Sie sich beschweren. Machen Sie schnell. Englische Soldaten haben das gemacht. Ich möchte zwei Lebensmittelkarten und Geld. Elle dit que c'est les soldats anglais qui l'ont violé. Elle demande de l'argent et de cartes d'alimentation. Et nous ne sommes arrivés que depuis cinq semaines. Die Engländer sind erst fünf Wochen hier. Geflüchtete Gefangene waren es. C'était des prisonniers évadés. Ça ne sera pas facile à prouver. Même quand le bébé viendra, il ne sortira pas en chantant le God Save the King. On donnait lui une carte de rationnement. Enfin, une et demie. C'est bon, suivant. Sie bekommt eine und eine halbe Lebensmittelkarte. Geben Sie es, Renate. Allons, suivant, en avant, marche! Hop, 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 hop! Oh, mon cher, quel soulagement de vous voir enfin. Dites-moi, pourrais-je vous dire deux mots en particulier, mon cher? Dites, mon commandant. Si vous avez à me parler, vous pouvez le faire devant mes subordonnés, vos papiers. Je les ai égarés, malheureusement. Mais je pense qu'entre hommes du monde, des papiers, songez donc. Cette guerre a substitué des papiers au simple savoir-vivre.
J'étais au Trinity College avant la guerre. Vous avez peut-être été aussi à Cambridge? Je n'ai jamais été à l'université. Nous devons avoir des amis communs de votre école. Eton, sans doute, ou Harrow. Adressez-vous à Pickington, c'est plus son genre. Mais vous connaissez sans doute le Captain Reggie Lomax de l'équipe bleue. Il se trouve que j'étais dans une unité combattante, pas dans une équipe de polo. Levez-vous et mettez-vous devant mon bureau. Comment vous appelez-vous et que réclamez-vous? Currachy. Le comte Istvan Currachy. Comment écrivez-vous? Mon commandant, nous avons son dossier. Je vois que vous avez emprunté un pot à la famille de mes cousins. Je n'emprunte jamais, j'achète. Vous savez, mon bon, j'ai eu un mal du diable pour venir de Hongrie. Mon cheval s'est brisé une jambe et j'ai dû marcher des kilomètres. Apprêtez-vous à faire vos bagages et à retourner dans votre pays. Commandant, c'est inexact que j'ai travaillé pour les nazis. Je les ai noyautés au profit de la résistance. Quand avez-vous rejoint la résistance hongroise? L'an dernier. Oh, quel risque j'ai couru. Vous avez volé au secours de la victoire. Pas de papier? Freistadt. Mais c'est insensé, mon cher. Et ne m'appelez pas mon cher. Allez, au suivant. Suivant, suivant, suivant. Je me demande comment il peut être tellement sûr de lui. Ça c'est bien, ça c'est mal. Le bon Dieu lui-même hésiterait plus longtemps. C'est un homme à poigne. Ça ne vaut rien de pourrir ici. Il vaut mieux renvoyer les gens chez eux, même s'il y a quelques petites erreurs. Le commandant est très brave de choisir pour nous. Vous êtes un expert de l'espoir, Yanovitch. Regardez, Malik, lui, il ne se plaint pas. Il n'a jamais été aussi bien qu'ici. Kakusobuti, Malik. Il dit qu'il a trouvé 15 nouvelles puces dans la journée. Voyez, Malik est un maître, vous savez, il avait un célèbre cirque de puces savantes à Zagreb. Il faut avoir des puces d'hommes pour ce travail-là. Les nouveaux arrivants en ont beaucoup. Vous savez, les puces de bêtes ne sont pas bonnes parce qu'elles n'ont pas eu la nourriture qu'il faut. Quand on me donne des puces pour Malik, je les paye une pomme de terre chaque. Tiens, tiens, Malik. Vous voyez, Malik est bien content d'avoir une puce. Le type qui la donne est bien content de perdre une puce et d'avoir une pomme de terre. C'est beau, ça. Savez-vous pourquoi les puces font ça? Parce qu'il y a un cheveu humain attaché autour de leur ventre et qui les maintient en place. Chaque fois que la puce essaie de sauter pour se sauver, ça la fait avancer. C'est amusant. Essayer de s'échapper, c'est drôle. Mais Malik est un inventeur génial. Il sait l'endroit où il faut que le cheveu soit attaché, autour de leur cou. Elles ne peuvent vivre qu'une semaine comme ça. Mais quel bon tour. Les désespérés amusent le monde. Quelle drôle de créature nous sommes. Das ist wunderbar. Oui, oui, c'est merveilleux. Ici, c'est la zone britannique. C'est merveilleux. Vous voulez de la bière, monsieur? Je vous la recommande. Vous voulez de la bière, monsieur? Je vous la recommande. Ou du schnapps? Ja, schnapps. Ton allemand est excellent. Ah oui, mon français aussi. Mon curé me l'a appris. Vodka, monsieur? Oh non, whisky, monsieur. Ou vodka, camarade. Et quoi pour Yanovitch? Une maison. C'est très facile à trouver quand un homme veut rester. Ou quand il peut rester. Plus de français, du russe. Очень дешево водка. Очень дешево водка. Il n'y a rien d'anachronique à observer les formes, particulièrement en temps de guerre. Le plus souvent, le courage est une question de forme. On ne se sauve pas parce que ça ne se fait pas devant les camarades. Ah, j'ai toujours pensé que le courage était fait de quelque chose d'autre. Prendre une décision dangereuse, quelquefois sans tenir compte des ordres. Ça ne doit pas se faire, mais c'est bien. C'est un point de vue idéaliste. Je sais, je ne ferai jamais un bon soldat avec ces idées-là. Non, je ne sais pas. L'armée n'est pas contre un homme qui a des principes ou qui prend un risque. Pourvu que ça réussisse. Qui prend une décision seule. Contre tous les autres.
je vais vous raconter une histoire instructive qu'on pourrait inventer, comme la plupart des histoires qui commencent par « Il était une fois ». Il y avait un officier qui part une belle après-midi d'hiver, c'était il n'y a pas très longtemps, s'en alla faire un tour dans les champs. Il s'approcha d'un pont défendu par les Allemands, un pont assez petit, mais d'une importance capitale, et qui était miné, bien entendu. Il avança tout en flânant. Les officiers de son bataillon le rappelaient par signe. Ils ne voulaient pas qu'il s'y engage seul. Mais il se dit que ça valait la peine de prendre le risque. Après tout, c'était sa peau qu'il risquait. Il ne risquait pas celle de tout le bataillon. Et puis, il était fort possible que personne n'éprouve le besoin de tuer un officier en train de flâner tout seul. Les Allemands qui défendaient le pont pourraient hésiter, se demander ce qu'il faisait là. Et finalement, lui laisser le temps de bondir subitement, de se glisser sous le pont et de couper les fils reliant les détonateurs. Ça lui vaudrait la Victoria Cross si ça marchait. Et si ça ne marchait pas, une Victoria Cross posthume. Il devait y avoir un vieux de la vieille à la mitrailleuse, faire feu d'abord, réfléchir ensuite. Il a fait feu. Et le commandant n'est jamais parvenu jusqu'au fil. 5 balles de mitrailleuse l'ont stoppé net et les Allemands ont fait sauter le pont. Il s'était dit que, mort ou vivant, il serait une sorte de héros. Il n'avait pas pensé qu'il pouvait y avoir une troisième éventualité. Et comment ça finit pour lui? Il fut très heureux et eut beaucoup d'enfants. C'est comme ça que ces histoires-là finissent toujours. Eh bien, nous pouvons aller nous coucher, je pense. Nous aurons du travail demain. Il y a des gens pour nous aider. Mais beaucoup à faire. Merci, Francis. Bonne nuit. Bonne nuit, mon commandant. Cette histoire ne veut pas dire qu'il faut éviter les risques. Si c'est le risque qu'il faut choisir, désobéissez. Si vous êtes capable de payer. André! Pas de chance pour vous, Kovacs. Le commandant a ordonné une inspection. Vous connaissez le règlement? Pas de fraternisation. Vous êtes aux arrêts. Gardez! Elle aurait dû te tondre pendant que tu dormais. Et sans son. Nazis! 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 Nevi. Naz. Nos orius. Orei. Ur. Uha. Uha. Ju. Vange. Shtika. Menton. Kin. Podborodok. Podborodok. Lèvres. Lip. En russe, guba. Il faut que tu saches un peu le russe. La Russie pourrait prendre toute l'Autriche, qui sait? Je m'en irai alors. J'irai avec toi. Mais Maria, je n'ai jamais été plus loin qu'ici, vers l'ouest. Je veux en voir plus. Viens avec moi. Si les Russes ne veulent pas me laisser mon auberge, j'irai avec toi. Mais je resterai ici tant que je pourrai. Mon père et ma mère sont morts ici. Mon mari y habitait longtemps. C'est tout ce que j'ai au monde. Voilà, docteur Pickington n'a aucune excuse d'être en retard pour la visite du matin. Et Yanovitch, où est-il passé? Je crois qu'il est indispensable. Entre nous, mon commandant, il l'est. Oui, il l'est, tant qu'il ne croit pas qu'il l'est. En attendant, il y va un peu fort. J'ai vérifié les stocks. Il y a 60 couvertures qui manquent. Vous en faites pas pour ça. Les couvertures sont plus utiles entre les mains de Yanovitch qu'à rester empilées dans le magasin. Oh, ça me rappelle. Faites immédiatement mettre de l'ordre dans le magasin. Ni trop, ni trop peu, vous voyez ça? Mes espions m'ont appris que le général de brigade allait nous inspecter. Mais nous n'en savons rien, bien entendu. Non, bien entendu. Je veux que nous ayons le plus beau camp de personnes déplacées du secteur. Il n'y aura pas un seul de ces paysans, en plus ou en moins, mon commandant. Au besoin, je ferai arranger ça par Yanovitch. Je ne voudrais pas avoir recours à lui pour toute une brigade de chars lourds. Nous allons bientôt avoir un nouveau pensionnaire au camp, commandant. Oh.
Qu'est-ce qu'il a pris? Je ne sais pas, c'est peut-être sa tasse de thé qui passe pas. Ne dites pas d'idiotie, regardez-le. Cet homme s'est empoisonné. Oui, mon lieutenant. Où est le médecin? Il faudrait que vous alliez téléphoner au bureau du commandant, mais je ne crois pas que ça vaille la peine. Le pauvre gars sera renvoyé à Freistadt demain, et il le sait. Je vous demande pardon, mon commandant. J'ai été mis en retard. Évidemment. Consigné au camp pour 24 heures. Certainement, mon commandant. Excepté quand je vous servirai de chauffeur, n'est-ce pas? Évidemment. Où étiez-vous? J'ai découvert des distractions. Pas de fraternisation? Non, pas de fraternisation. Non, allez, je sais quels sont les ordres, mon commandant. J'ai pas fraternisé. Disons que j'ai harmonisé. Mais tâchez de ne pas confondre. Nous avons une grave affaire de fraternisation qui nous attend. Amenez Kovacs, cher Jean. Bien, mon commandant. Amenez le prisonnier. En avant, hop, hop. Gauche, droite, à droite, marche, à gauche. Kovacs, mon commandant. Dites-lui qu'en dépit de l'interdiction de fraterniser, il a été trouvé couché avec une femme yougoslave. Je sais qu'il est hongrois. Donc, premier camion pour Freistadt ce matin. Freistadt, Bakalman. Kominski est mourant, Gilles. Il s'est empoisonné. Il faut absolument appeler le médecin. Qu'est-ce que c'est que ces manières? On n'est pas au messe des officiers ici. Mettez-vous au garde à vous. Saluez, appelez-moi mon commandant. Mon commandant. Kominski s'est empoisonné. Il faut absolument appeler le médecin. On lui a donné un vomitif? Non, mon commandant. Et alors, donnez-lui un. Il aime mieux mourir que d'aller à Freistadt. Vous ne pouvez pas lui envoyer le docteur? Le docteur fait un accouchement. Dispensez-moi de vos apitoiements, Pilkington. Il y en a qui meurent, d'autres qui naissent. J'enverrai le docteur quand il aura un moment. Mettez Kovacs en cellule jusqu'à demain matin. Le règlement du camp doit être respecté. Trouvez-moi un vomitif. Il faut que Kominski dégueule. De la moutarde, du sel et de l'eau chaude. Apportez-moi ça au poste de garde. Il ne faut pas vous frapper, lieutenant. Tout finit par s'arranger. Même la mort? Surtout la mort. C'est la vie qui est plus difficile à arranger. Signez ça, s'il vous plaît, et tout marchera bien. Ce sont... trois laissés-passer en blanc pour les cellules, ils doivent être remplis. Signez-les seulement, je montrerai aux trois rois le chemin de l'Est. Fünf Kilogramm. Bonne. Pets Kilogramm. Danke. Bitte. Bitte schön. Nächste, bitte. Ich freue mich, Sie zu sehen, Vater. Ja, wir müssen uns beeilen. Hier sind die zwei Pässe. Bitte, machen Sie schnell. Borja, Gauptwachtung. Ha, Tonja! Pop, 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 pop. Hey, Tonja! Вот тебе труба. Воду кипятишь. Ein, zwei, drei. Фокус, фокус. Водка. Хорошо. Водка. Следующий. Вы исполнитесь, ведь по Фейштадту, мой лейтенант. Тене. Мерси. Allez! Roulez! Voilà. Fermez-le. Das Gift vergeht. So soll auch dir Gift vergehen. Adjutorium nostrum in nomine Domine, qui fecit coelum et terram, el clamor meus ad te veniat. Amen. Blieb stille stehen, so soll auch dir das Gift vergehen. Bleibt immer beieinander. Herr Christus spricht. Gift aus dem Mund. Thank you.
Janowicz, je viens de passer au poste de garde. Oui, lieutenant. Oui, et il y avait une sorcière. Je le sais, lieutenant. Mais ça n'est pas une illusionniste comme vous. C'est une vraie sorcière qui est en train de tuer Kominski. Oui, lieutenant, c'est la guérisseuse du pays. Elle connaît tous les poisons de la montagne et elle s'en sert au besoin. Si elle le tue, de toute façon, il mourra à Freistadt, pas vrai? Et Kovacs, il est en train de se marier dans sa cellule. Le commandant ne tolérera pas une chose pareille. Excusez-moi, mon lieutenant, mais le certificat de mariage portera la date d'il y a deux jours. Supposez que j'ai refusé de vous signer le laissez-passer à ce moment-là. Qu'est-ce que cette femme aurait fait? Elle aurait donné un enfant yougoslave à l'Autriche. Vous voulez dire un bâtard? Vous croyez peut-être que les pays n'auront pas besoin de bras dans 15 ans. Il n'est pas nécessaire que les bras aient un père légitime. Il suffit qu'il soit là pour travailler la terre. Autrement dit, vous incitez les hommes qui sont ici et les femmes à... Oh, c'est dégoûtant. C'est comme des animaux. À la campagne, c'est souvent comme ça. Mais si le commandant voit de quelle manière vous respectez l'interdiction de fraterniser, il va être... Il n'est pas question de fraternisation, non. Je vous assure, ici, personne ne fraternise. Ils couchent seulement ensemble. Le commandant Burnside n'a pas besoin de toi l'après-midi, Yann? Je crois qu'on dit dans son pays, ce qu'un homme ignore ne peut lui faire de mal. Des boîtes de singe, des pêches, des ananas de Californie. Oh, c'est tout américain. Ils vont pas s'en apercevoir? On leur faucherait tout un bateau qu'ils ne verraient pas. Où est Tagnol? Par ici. Hola! Hola! C'est bien, client! Le sujet! Il voit toute sa paye, hein? Vous êtes bien ravitaillé. Laissez-moi vous aider. Il absorbe la vodka à travers les pores de sa peau sans s'en apercevoir. Il doit être drôlement imbibé. Eh ben, mon vieux Yano, il est fameux, ton pétrole. Excellent produit. Américain. On n'a pas de viande pareille chez nous en Russie. Prenez-le. Non, je vous le laisse. Je ne voulais pas dire. Si, vous vouliez le dire. Parce que c'est comme ça, je suis un pauvre russe. Attention, Yano! Il y a du bonheur en flacon dans les bras. C'est pas le moment de tout lâcher. Hé, hey, Lruskov, vous êtes du mauvais côté de la barrière. Vous voulez porter plainte officiellement? J'ai rien vu, j'ai rien dit. Bamstor, capitaine. Ветчина, кукуруза, водка. Ça. Voilà ce que je veux. Une Jeep? Oui, une Jeep. Thank you.
dites, mon commandant, elles sont en bon état. Vous croyez que je ne suis pas capable de voir l'évidence? Je vous dis qu'elles sont en bon état. Vous les avez désossées. C'est Freistadt pour vous. Je vous y conduirai moi-même. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon commandant? À mon inspection ce matin, il manquait des pièces à toutes les jeeps. C'est curieux, mon commandant. Cet après-midi à Linz, les Américains ont signalé la disparition de pièces détachées pour jeep. Ils en ont tellement que ça ne risque pas de leur manquer. Vous êtes intolérable, vous savez. Oui. Ne recommencez jamais ça. Non, mon commandant. Vous croyez diriger le camp, voilà ce qui ne va pas. Non, je ne suis pas le chef, j'ai beau faire toutes les conneries, je sais que c'est finalement sur vous que ça retombe. Faut pas avoir peur de cracher, y'a que ça pour faire briller les pompes. Oui. Hein? Allez, crache fort. C'est notre brillant très spécial. Hé, hey, vous là-bas. Ah, encore ce faillot. Allez, au boulot. On n'a pas de temps à perdre. Écoutez, les gars. Quand le général dira « Assez belle tenue », vous garderez votre air abruti et vous ne répondrez pas. Mais le général n'est pas tombé de la dernière... Oui, alors quand le général Bewley dira « Quelqu'un vous a-t-il prévenu que j'allais venir inspecter le camp de personnes déplacées » Qu'est-ce que vous direz? Non, mon général. Soldat, miss. Sergent. C'est une moustache ou un poil de balayette? C'est une moustache, sergent. Il y a 2 mois que ça pousse et on dirait une feuille de pissenlit. Pourquoi? Eh bien, mes poils sont un peu timides, sergent. Un peu timide, tiens donc. Eh bien, pas moi! Allez, faites-moi sauter ça en vitesse! Le général peut arriver d'un moment à l'autre. Burnside. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Rien du tout, mon général. Bonjour, Allison. Vous n'allez pas vous perdre cette fois, j'espère. Où est-ce que nous allons? Au camp de personnes déplacées. Ah oui, mais auquel? Oh, au 4B. Et vous savez où ça se trouve? C'était la place où vous avez planté l'épingle sur la carte, mon général. Je vais vérifier l'itinéraire. Très bien, Ruth. Je serai le navigateur. Allons-y, Allison. En route, mon petit. À gauche! C'est pas de très bon augure, ce départ. Allons, Allison, marche arrière, mon petit, marche arrière. Burnside, ce nom ne vous rappelle rien, alors? Non, mon général. Moi, ça me rappelle Pont. Pont et Burnside, comme pain et beurre, c'est associé. Allons, Allison, ne vous énervez pas. À gauche, ici. Camp de personnes déplacées 4B. On dirait une station balnéaire. Sergent de garde! Piquet de garde! Garde! Présentez! Armes! Armes sur l'épaule gauche! Prêt pour l'inspection, mon général. Belle tenue, sergent. Dites-moi, est-ce que... Vous saviez que je venais aujourd'hui? Non, mon général. Je vois. Dites-donc, capitaine, vous demanderez au sergent Sarcet pour conserver en permanence les plis au pantalon. On prendra un brevet, on fera fortune. C'est bon, sergent, bon. Oui. Garde! Direction le poste de garde! Hop, les rangs! Commandant Burnside. Burnside? Pas Burnside Dupont, non? Pas que je sache, mon général. Votre visite est une bonne surprise. Une bonne surprise ou une surprise bien préparée? Bonne, mon général. Puis-je vous faire visiter le camp? J'en serais ravi. C'est charmant, cet endroit. Ça me rappelle le Cumberland. J'ai une maison. Le lieutenant Pilkington. Bonjour, Pilkington. Général. Je suis content de vous voir. Ils vous remercient tous, mon commandant, parce que vous avez rendu leur séjour ici si bref et si sympathique. Oh, je suis là pour ça. En voilà qui arrive, mon général. Willkommen im Kampf 4B. Bitte steigen Sie vom Wagen aus und stellen Sie sich in eine Reihe. Sie bekommen eine Decke als Geschenk und nachher etwas zu essen.
Bitte helfen Sie uns und wir helfen Ihnen. Vous avez là un garçon qui m'a l'air d'être très précieux. Oui, j'ai eu du mal à le trouver et encore plus à le persuader. Bigre, c'est tout à fait splendide. Excellent, excellent. Ah, oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la section arts et métiers? J'ai des violons. Et est-ce qu'ils vont nous donner un concert? Pashli. Pashli. Section. Oh! Section. Ah! Gardez-vous. Lise. À gauche. Boum. Deux par en avant. Zwei Schritte vorwärts. Halt. Enlevez les couvercles. Merci, sergent. Ah, potage paysanne. Pas mal du tout. Notre cuistot était plongeur au Savoy, mon général. Ah, félicitations. À droite, mon général. Le sens de l'organisation est trop parfait. Merci bien, mon général. Donnez l'ordre à vos hommes de faire une gaffe quelconque, sinon je vous donnerai une mauvaise note pour n'avoir rien trouvé à critiquer. Vous êtes trop bon. Voulez-vous faire un tour au mess? Oui. Merci. Eh bien, vous avez fait ici un travail remarquable. Mes compliments. Merci beaucoup, mon général. Mais je regrette bien mon régiment. Si je pouvais reprendre mon ancien poste, j'étais le bras droit du commandant de mon régiment quand... Oui, mais vous savez, on ne se bat plus aujourd'hui, Burnside. Le commandement d'un bataillon en temps de paix est trop peu de choses pour un officier de votre qualité. Je n'ai jamais été à l'aise en dehors du régiment. Si je pouvais retrouver mon poste, je ne suis pas un administrateur. Je n'ai aucune espèce de goût pour singer la Gestapo. Je suis un combattant avant toute chose. Eh, voyons, j'espère qu'il n'y aura plus de guerre, commandant. Il y a eu pas mal d'incidents avec les Russes à la frontière, on peut prévoir. Ne prévoyez rien, gardez-vous-en. Vous n'y pensez pas, voyons, les Russes sont nos alliés. Il n'y a pas d'incident avec eux, seulement des dialogues. Pilkington, j'ai vu votre père cette semaine, il est en pleine forme. Il vous envoie ses... enfin, vous savez. Merci, pourrez-vous lui renvoyer, enfin, vous savez. Oui, je sais. Sinon, vous allez rester dans l'armée, c'est pas? C'est cette famille, quelqu'un qui a votre éducation doit réussir. Oh, merci, mon général. J'aime mieux retourner à l'université pour étudier les langues. Il paraît que ce sera extrêmement utile dans l'Europe de demain. Ah oui, ainsi que dans l'armée de demain, on pourra vous utiliser l'état-major. Non, mon général, malgré tout ce que mon père pourrait dire, je ne suis pas fait pour me battre. Mon cher Pilkington, qui est jamais entré dans l'armée pour se battre? Pilkington! Alors, Allison, ça ne va plus? Vous ne les aviez pas avertis que je venais passer une instruction, non? Non, général. Enfin, quand Burnside m'a demandé quand vous viendriez, j'ai dit mardi matin. Mais que c'était une inspection à l'improviste et que vous veniez à ce que rien ne soit changé. Votre avenir dans l'armée me semble aussi sombre que celui du commandant Burnside. Pour quelle raison, mon général? Comme Burnside, vous avez la manie de vouloir faire du zèle. Souvent un peu trop de zèle. Une fois, il a tenté de prendre un pont à lui tout seul. Une sorte de chevalier Bayard à l'envers, si vous voulez. Évidemment, ça a raté. L'ennemi a fait sauter le pont. Si bien qu'on a perdu 200 hommes en traversant la rivière, alors qu'on pouvait prendre le pont en n'en perdant qu'une vingtaine. Il s'est néanmoins comporté en brave, en héros. Brave ? Héros ? Il fallait conserver à la fois le pont et la vie des hommes. Leurs veuves vont-elles leur remercier d'avoir voulu épingler un ruban de plus sur sa poitrine ? Mais il a fait quand même une extraordinaire... Bêtise ! L'armée est pire qu'un éléphant. Non seulement elle n'oublie pas, mais encore elle ne pardonne jamais. Mon commandant, je sais que vous découvrez tout ce que je fais, alors je vous le montre d'abord. Anna, la mince, pour les Anglais seulement. Martha, pour les Russes seulement. Mais que faites-vous de l'interdiction de fraterniser? Oh, mais elles ne fraternisent pas, mon commandant. Elles servent seulement à boire et à manger. Cosette, verboten!
Et la fraternisation entre les Anglais et les Russes? Il y a la chaîne d'acier, mon commandant. C'est vous qui l'avez fait mettre là? C'est bien ça. Est-ce que les Autrichiens peuvent venir ici? Oh, tout le monde! J'appelle ça de la démocratie. Moi, j'appelle ça de la combine. Asseyez-vous, mon commandant. Prenez un whisky. C'est la maison qui offre. Non, non, merci. Je ne peux pas approuver ça. Je vois que vous avez déjà averti les Russes. Ils sont là aujourd'hui, mais qui sait ce qui se passera demain chez eux? Commandant Burnside, quelle bonne surprise. Un verre de vodka à notre glorieuse alliance. Vodka. Il me serait difficile de refuser. Venez vous asseoir de notre côté. Nous deviserons chacun de notre côté. Ça ne vous gêne pas de boire dans la même salle que vos hommes? Nous avons une armée populaire, commandant. Tous camarades. Ah, pure hypocrisie. Ce que nous appelons, nous, le vice anglais. Encore de la vodka? Non, merci. C'est un véritable petit paradis. On ne dirait pas que nous sommes en guerre. Nous n'y sommes plus. Vous appelez ça la paix? J'espère que nous coopérerons toujours. Je l'espère aussi. À titre de preuve, une question. Oui? Approuvez-vous ce genre de lieu? Non, je ne l'approuve pas. Dans ce cas, si vous ne pouvez rien faire, livrez-nous votre moitié. Je ne livrerai rien. Surtout pas ce qui est la propriété de l'armée. La propriété est plus sacrée que votre dieu pour vous, les cochons du capitaliste. C'est assez inattendu venant de gens qui ont pris la moitié de l'Europe. Mon commandant, vous ne l'interdirez pas. Les Anglais avaient un amiral borgne qui, lorsqu'on envoyait un signal qui ne lui plaisait pas, portait sa longue vue à son œil aveugle. Mais pourquoi tu veux l'emmener ici? Oh, entre lui et moi, ça marche très bien. Et il te faut un officier anglais pour empêcher qu'on te prenne le chalet. Évidemment, il y aurait Pilkington. Mais lui, c'est un enfant. Eh bien, si c'est un enfant, je saurais me débrouiller. Je ne serais pas jaloux. Tu sais, je crois bien qu'il est encore vierge. Ne ris pas. Il a de la chance. Personne n'est encore vierge après avoir traversé une guerre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le distributeur. Je vais l'arranger. Comme toujours. Ça sera long? Une demi-heure. Pendant ce temps-là, vous pourrez vous reposer. Bon, très bien. Mais dépêchez-vous. Français? Oui, un peu. Vous voulez que je vous aide? Merci. C'est une vie dure pour vous. Il vaut mieux vivre comme ça que pas du tout. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Oh, excusez-moi, je suis désolé. Ça ne fait rien. Je vous ai fait mal? Non. Oh, je suis sûr que si. Non, non, c'est rien. Je vous demande pardon. Ça finit toujours comme ça quand on joue. Je n'avais pas joué depuis des années. Moi non plus. Mais vous avez l'air d'un enfant. Quand vous jetez, c'est... Comment on les appelle? Des pommes de pin. Pommes de pin.
Comment se fait-il que je vous ai vu à l'auberge? Vous y habitez? Elle est à moi. Ah. Je pourrais aller vous voir. Votre commandant a dit défense de fraterniser. Vous obéissez sûrement au commandant. Vous savez, il a dit que je pouvais désobéir lorsque je pensais devoir le faire. Et... En vous voyant, je pense que je dois. Il faut que je m'en aille. Vous connaissez Yanovitch? Tout le monde connaît Yanovitch. Je pourrais venir vous voir. Je pourrais. Ici et m'y trouver. Si je n'étais pas l'officier qui commande le camp, serais-je où je suis maintenant? Non. Tu es très honnête, même quand ce n'est pas ton intérêt. Tu veux m'avoir et tu prends. Je veux garder mon chalet et je donne. C'est l'avantage d'avoir seulement une connaissance élémentaire de la langue. Pas de subtilité, pas d'échappatoire. Pas d'amour. Les femmes sont bizarres. On croit les avoir un moment, et ensuite, on pourrait aussi bien être un étranger. Comme si elles avaient honte d'avoir montré qu'elles vous désiraient. Quand nous faisons l'amour, tu me désires réellement? Moi, quand j'aime quelqu'un, je veux que ça vienne de moi seule. Si on veut m'obliger à l'aimer, comment puis-je l'aimer? Puisque je n'ai pas le choix. Il y a des femmes qui aiment se laisser convaincre. Gilles? Ouais. Je t'aime bien. Tu es gentil pour moi, tu me protèges. Mais sans la guerre, je ne me serais pas mise avec toi. En temps de paix, je vivrai encore avec mon mari. En temps de paix, tu ne serais même pas ici. C'est la paix maintenant. La guerre est finie, tu sais. Quand on me renverra dans mon régiment, est-ce que tu me suivras? Où ça? Dans ton château? Tu te fais des illusions. Tous les officiers ne sont pas des lords. Tu as une maison à la campagne? Non, tu n'auras rien de plus qu'une chambre louée près de la caserne. Et quand je prendrai ma retraite, un pavillon plus petit que ce chalet et la demi-solde. Tu n'auras quoi? Rien d'autre, à part l'armée? Non, je n'ai jamais été riche, je ne le serai jamais. Les militaires, c'est comme la malchance. Les gens cherchent à les oublier. Une fois que les malheurs sont passés. Je reste. Parce que tu ne m'aimes pas assez. Je reste. Quand j'aurai des permissions, je pourrai revenir. Tu ne serais plus le commandant ici. Pourquoi revenir? Parce qu'avec toi, je suis un homme. Tu es bon pour moi, Gilles. Je m'en rends compte. Mais tu es le commandant. Il faudra que tu ailles où l'armée te dira. Yano, tu avais dit que tu ne viendrais pas. Le commandant est occupé. Il est en train de dîner avec le général. Thank you.
C'est difficile de plaisanter avec ces gars-là. Je vois qu'elle est arrivée. Vous voulez dire que c'est vous qui l'avez envoyée? Et votre bureau n'est pas dans la chapelle? Les indications ne sont pas toujours véridiques. Non, c'est notre magasin. Et à quoi dois-je le plaisir de cette invitation, capitaine? Votre interprète, commandant. Ah oui, un homme précieux. Vous voulez que je vous le prête? Non, pas comme interprète. Vous voulez entrer? Товарищ майор, вы нашли дело у Карла? Случайно имеется. Oh, admirable. Une prise de guerre, je suppose. Chez vous, ce jeu est réservé aux gentlemen, je crois. En Union soviétique, tout le monde joue. Que voulez-vous à mon interprète? C'est un déserteur de l'armée soviétique. Son vrai nom est Makarov. Regardez. C'est lui. Un déserteur, votre Yanovitch, il vous trahira aussi. Je ne crois pas que ce soit lui. Il vous rend trop de service, sans doute. Quand aurait-il déserté, d'après vous? Une semaine avant de venir se présenter chez vous. Donc, une fois que la guerre était finie. J'appelle ça une absence sans permission. Ce n'est pas un crime grave. Désertion et aide à l'armée britannique. C'est un crime caractérisé. Un crime politique. Je vous dis que je crois que c'est un autre. Et puis, vous n'en avez pas besoin. Un homme, quand vous avez eu 22 millions de tués. Non. Les ordres viennent d'en haut pour nous mettre des bâtons dans les roues. Nous voulons les reprendre. Notre accord avec vous dit que vous devez rendre tous les déserteurs. Sinon, vous auriez de graves ennuis. Vous laissez diriger votre camp par un déserteur soviétique. C'est moi et personne d'autre qui le dirige. Dans ces conditions, votre honneur d'officier britannique vous commande de renvoyer cet homme chez nous, à Freistadt. Freistadt? Pour le voyage. Je t'attendrai, Yano. Quand j'aurai un vrai passeport, je reviendrai près de toi et on se mariera. Il n'y aura plus de Burnside ici. Je te demande pardon, Yano. Je sais ce que c'est. Les commandants, ils vous prennent tout ce qu'on a. Mais en temps de paix, on n'a rien à craindre d'eux. Vous partagez le butin? On m'envoyait voir si vous étiez au chalet. Je ne reviendrai pas. Le commandant va m'envoyer à Freistadt. Ça, je ne le croirai jamais. C'est vrai. Yano doit s'en aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Un soldat russe sous a dit hier soir ici que le capitaine Kamenev savait la vérité sur moi. J'ai déserté de l'armée russe. Déserté? Vous avez lâché vos camarades au milieu de la bataille? Non. Quand je me suis tiré, c'était fini. Maria, laissez-nous. Je vais faire quelques pas par là. Mais promettez-moi de me rejoindre. Oui, mon lieutenant, je vous le promets. Je sais que tu m'oublieras. Non. Je ne t'oublierai pas, Maria. Je reviendrai. Depuis les commencements de la guerre, personne n'est jamais revenu. Il faut que tu aies confiance en moi, Maria.
Maintenant, vous pouvez me ramener. Je ne peux pas vous ramener pour qu'on vous envoie à Freistadt. Qu'est-ce que vous faites des ordres du commandant? Je me fous des ordres de Burnside. Vous avez beaucoup mûri, lieutenant. Et ça vaut mieux. Vous auriez tiré sur moi? Oh oui, s'il avait fallu. Vous n'hésiteriez pas à tuer les autres pour sauver votre vie? C'est exactement ce que font tous les combattants. Et j'ai combattu, et j'ai vécu beaucoup plus que vous. Vous pouvez m'aider à passer la frontière. Oui, pour déserter encore et sauver votre chère carcasse. Vous savez pourquoi j'ai déserté? Parce que c'est la paix maintenant. On s'est tous battus pendant la guerre et on savait tous pourquoi on se battait. Mais maintenant la paix est là. Qu'est-ce que vous faites ici? Personne ne vous a demandé de venir. Personne ne veut de vous. Vous voulez faire la paix avec des canons? Rentrez, soldats. Go home. Bonne parole, Yanovitch. Rentrez chez vous, vous-même. Maintenant, filez. Je vous donne 30 secondes. Allez, foutez le camp, espèce de Romani! Que c'est facile pour vous de faire le juge. Vous avez votre pays, votre argent, votre grade. Mais quand on n'a rien, quand on n'a pas de pays, pourquoi est-ce qu'on se bat? Pour ses camarades. Et si vos camarades se battent pour Hitler, comme les miens? Non. Janu est un homme bon. Il m'a appris à vivre dans les mauvais moments. Oui, mais la vie ne consiste pas seulement à être vivant. C'est aussi... C'est seulement être vivant. Et Janu m'a rendu le goût de vivre. Komm mit, Fräulein. Daj nam pocelować. Nein! Прочь, сволочи! Свиньи, прочь! Под арест, разойдись! Chez nous, ce sont des hommes corrects. Ils n'ont pas vu leur femme depuis trop longtemps. Ils se sentent seuls. Moi aussi. Asseyez-vous avec moi. Mon mari a été à Stalingrad. Je ne l'y ai pas envoyé. Je ne vous ai pas dit de venir ici. Je vais faire interdire l'accès de l'auberge. Les Russes ne viendront plus vous ennuyer. Laissez-les venir, ils ne font rien. Non, nous ne faisons rien. Il n'y a rien à faire. Restez du côté des Anglais. Votre commandant vous protégera. Il va bientôt partir. Ils vont tous partir. Et Janu l'est déjà. Alors peut-être pourrais-je... Peut-être pourrais-je vous protéger? Gute Reise, Herr Schneider. Dankeschön. Radio,
Papier. Je viens juste montrer mon passeport. Tu as perdu la guerre, Mac. Janowitz, mach doch bitte den Trick aus dem Camp, Janowitz. Den Trick aus dem Camp, Janowitz. Hans Schneider, de quel camp il parle? Les ordres pour le dernier jour? Eh bien, maintenant, tout est à peu près réglé. Et d'une manière assez satisfaisante. Quant à Janowitz, c'est vraiment une excellente chose qu'il ait pu s'échapper ainsi. Ah, nous avons battu l'hiver de justesse. Oui. C'est pour une dernière affaire. Qui est-ce? Madame Eddie Komensky. Les Américains nous demandent de vous prêter assistance pour retrouver votre mari. Komensky. Je sais qui c'est. C'est le Polonais qui a tenté de se suicider. On l'a envoyé à moitié mort à Freistadt. Vous n'avez pas cru qu'il avait une femme autrichienne? Oui, je me rappelle qu'il n'avait pas de papier. Il est allé à Freistadt. Freistadt. Ihr habt ihn zu den Russen geschickt? Ihr könnt ihn doch nicht zu den Russen schicken! Sergent vous dit, prenez une Jeep et conduisez-la immédiatement à la frontière. Oui, mon commandant. Warum habt ihr das getan? Wie soll ich ihn denn jetzt finden? Ihr schickt ihn in den Tod! Je le savais bien que c'était vrai. Avec ces milliers de gens, il devait se produire une ou deux erreurs. L'important était de faire rapidement un triage. Les individus ne comptent absolument pas en temps de guerre. Ils n'existent qu'en temps de paix. Elle retrouvera son mari, croyez-moi. Ils sont parfaitement corrects à Freistadt, mais les gens ne veulent jamais le comprendre. Oui? Un manquant qu'on vient remettre sous notre autorité, mon commandant. Où l'avez-vous trouvé? Il allait passer en Suisse. Il avait un bon passeport, mais pas tout à fait assez bon. Pas de chance, Janowitz. Merci, messieurs. J'ai oublié de vous dire, mon commandant, j'avais besoin de vacances, alors je suis parti faire du ski à Saint-Moritz. Pourquoi ne vous êtes-vous pas fié à moi? J'avais déjà fait vos papiers pour Linz avec une note élogieuse sur vos services. Et voilà que vous prenez la fuite. Mais pourquoi? Vous savez que je ne laisse jamais mes sentiments personnels s'opposer à ce que je crois être juste. Maintenant, tout le monde vous connaît. Tant que vous étiez anonyme, vous étiez en sécurité. Vous n'existiez pas. En fait, je protégeais votre sécurité. Pourquoi n'avez-vous pas eu confiance en moi? Vous m'excuserez, mon commandant. En yiddish, on dit... 10 pays sont plus faciles à connaître qu'un être humain. Vous avez son dossier, mon commandant. On peut encore l'envoyer à Linz? Pour observer les conventions. Vous devriez aller à Freistadt. Appelez Burnside au téléphone. Tout de suite. Oui. Allô, Burnside. Désolé de vous déranger, mon vieux, mais je voulais vous dire pour ce Janowitz. Celui que les Américains ont piqué. Les Russes l'appellent Makarov, un déserteur. Ça pourrait amener des embêtements. Je le regrette pour vous. Vous savez, j'ai reçu des instructions impérieuses du ministère. Surtout pas d'incident dans notre zone sous aucun prétexte. Écoutez, Burnside, il faut leur remettre cet homme-là tout de suite. C'est un ordre. Rendez-moi compte quand ça sera fait. Bon, allez-y. Bonne chance. Merci, mon commandant. Mon commandant, pourriez-vous dire au lieutenant Pilkington que je regrette de ne pas avoir pu lui dire au revoir? Entendu, je n'y manquerai pas. Allez-y, sergent. Allez, roulez! Commandant Burnside, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, Janowitz. Maria Lee! Lee! Maria Lee!
Il est déjà parti? Vous aviez dit 9h. Je voulais dire au revoir à Yanovitch. Excusez-moi, j'étais si pressé, je ne suis pas en tenue. Ne vous en faites pas pour ça, le travail est fini. Vous reprendrez bientôt la vie civile, et c'est ce que vous souhaitez. Le camion! Il a tourné vers Freistadt! Vous voulez dire que vous allez le livrer aux Russes? Restez où vous êtes, c'est un ordre. Je vais arrêter le camion. Le sergent Weedy a reçu l'ordre de ne s'arrêter pour personne. J'arrêtais le camion! Pilkington, je vous somme d'obéir! Il ne peut rien lui arriver, c'est un débrouillard. Les hommes comme lui s'en tirent en toutes circonstances. Ils sont trop utiles pour qu'on les liquide. Et c'était un professionnel de la survivance. Oui, mais vous aviez dit... Qu'est-ce que je vous avais dit, monsieur Pilkington? Yanovitch croyait qu'on l'envoyait à Linz. Heureusement pour lui, il aurait été fâcheux qu'il résiste. Mais c'est un déserteur! Ils vont sûrement le fusiller! J'en doute. C'est votre tort à vous autres, jeunes officiers. Vous portez des jugements hâtifs. Combien de milliers de gens sont passés par ce camp? Et combien avaient une importance politique? Peut-être. Peut-être que Yanovitch est un agent envoyé chez nous par les Russes. Y avez-vous pensé? Quand il s'agit de combines politiques, nous, les soldats, on est payés pour obéir, c'est tout. Ah, si on pouvait recommencer à faire une vraie guerre au lieu de ce trafic de viande. Il demandait seulement à vivre. Comme nous tous. Oh, oh quelle sale... Passez, s'il vous plaît. Tenez, C'est fait, mon général. Alors, vous l'avez emballé pour Freistadt. Bon. Oh, attendez, commandant Burnside. Nous avons reçu un ordre d'affectation pour vous. Roots, donnez-moi l'affectation du commandant Burnside, s'il vous plaît. Quittez pas. Je vais vous la lire. Je sais, mon général, mais votre marque habituelle n'est pas arrivée de Londres. Alors, dépêchez-vous, Roots. Voilà. Ce n'est pas de chance, Burnside. Vous êtes affecté en Indonésie, dans un autre camp. Vous avez fait un travail admirable pendant que vous étiez ici. Il n'est malheureusement pas question que vous retourniez dans votre régiment. Je suis navré. Viendrez prendre un verre avec moi avant votre départ, hein? Au revoir. Vous l'avez renvoyé? Évidemment. Qu'est-ce que vous croyez d'autre? Yano l'avait prévu. C'est vrai, oui. Yano avait toujours raison. J'avais espéré que le commandant Burnside... On ne peut rien espérer de Burnside. Vous savez, j'aurais pu courir après lui plus tôt. Stopper le camion et l'aider à s'échapper. Mais je n'ai rien dit. Je suis resté là, sans broncher. En fait, je suis exactement comme n'importe quel nazi. Oh, je n'ai rien fait, mein Herr, nein, j'étais obligé d'obéir au sang, je suis innocent.
Je suis innocent. Maintenant, vous savez pourquoi nous faisons rien que de vivre et de laisser mourir les autres. Espèce de pourriture, sale menteur. Je peux vous dire un mot, mon commandant? Qu'est-ce que c'est? Je voulais seulement vous dire, maintenant que le camp est fermé et qu'on plie bagages, j'ai été fier d'être avec vous. Vous êtes un officier formidable, mon commandant.